Voici 5 livres dont personne ne vous parle pour devenir polyglotte. Et je vous entends déjà d'ici, bien sûr que tout le monde peut devenir polyglotte, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas un talent. Même si aujourd'hui vous galérez déjà peut-être avec l'anglais, que ça vous paraît impossible, c'était aussi mon cas quand j'étais nulle en anglais à l'école. Alors qu'il suffit d'appliquer une méthode alternative qui n'est pas enseignée à l'école et que vous trouverez dans ces livres dont je vais vous parler aujourd'hui, pour pouvoir parler une langue ou plusieurs rapidement. D'ailleurs, vous avez sans doute trouvé mon choix surprenant, surtout pour le 5e livre, et comme on dit, leaders are readers. Donc c'est parti pour les 5 livres que j'ai envie de partager avec vous pour devenir polyglotte. Et si vous ne me connaissez pas encore, eh bien je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui allie coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi rapidement. J'ai également l'auteur du livre « Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans » aux éditions Erol. Et je suis passée de nulle en anglais à l'école à polyglotte et j'explique tout ça dans ma masterclass gratuite que vous trouverez en description pour savoir comment vous pouvez faire vous aussi. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça m'aide de faire monter cette chaîne, de la faire découvrir à d'autres personnes. Rien qu'un petit like, ça vous prend 2 secondes en cliquant en bas de cette vidéo. Alors vous verrez, j'ai choisi 5 livres, ce sont pas des livres de pure langue, c'est un mix qui permet de comprendre comment apprendre à apprendre, parce que pour moi, la connaissance, la compréhension, le fait de comprendre comment apprendre, comprendre les mécanismes, ça donne de l'autonomie. Et pour moi, l'autonomie, c'est le levier le plus puissant d'apprentissage parce que c'est ça qui va vous permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas comment c'était pour vous en maths à l'école, mais pour moi, c'était un enfer. Appliquer des formules x fois y moins z machin, je ne comprenais pas pourquoi on le faisait. Et à chaque fois qu'on ne m'expliquait pas le pourquoi du comment, ben ça... Je me tapais la tête contre le bocal. Et même les additions, les soustractions, c'était extrêmement dur pour moi, même les trucs les plus basiques. Mais quand j'ai commencé à appliquer les additions, les soustractions dans des situations réelles de la vie de tous les jours, quand j'ai eu par exemple mon premier job étudiante à 15 ans, bon, j'étais pas en France à l'époque, mais pour rendre la monnaie, je peux vous dire que j'ai vite assimilé le pourquoi du comment, et du coup c'est rentré. Bref, tout ça pour dire que si on comprend pas pourquoi on fait les choses, et bien c'est beaucoup plus difficile de l'intégrer dans sa mémoire à long terme. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ces 5 livres. Donc, le premier que je voulais vous partager, c'est Fluent Forever de Gabrielle Weiner. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce qu'en fait, c'est un polyglotte, c'est un gars qui parle 6 langues. Enfin, en tout cas, à l'époque où il a rédigé ce livre. Aujourd'hui, je sais pas où il en est, parce que vous savez, quand on parle plusieurs langues, ça fluctue. Alors, on peut en parler 6 à un moment... Et 2 ans après, n'en parlait plus que 4 parce que ben, une langue qui ne s'utilise pas, c'est une langue qui se perd. Donc il a appris 6 langues, mais il ne les a pas apprises à l'école. Il s'est créé sa propre popote pour, parce que ben, à l'école, ça n'a pas fonctionné pour lui non plus, comme pour moi. En fait, c'est un guide qui vous explique comment apprendre à apprendre une langue, et n'importe quelle langue. C'est pas un cours de langue avec de la grammaire, de la conjugaison, etc. Dedans, ce que vous allez trouver des hacks de prononciation, des hacks de comment bien mémoriser, comment penser automatiquement dans une langue étrangère. Et en plus, il est en anglais, donc si vous voulez pratiquer votre anglais, c'est parfait. Le deuxième livre que j'ai choisi pour vous, c'est The Compound Effect, donc l'effet cumulé de Darren Hardy. C'est un livre qui, pour moi, en fait, le truc, c'est que apprendre une langue, c'est loin d'être une affaire d'apprendre du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison. Ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est important de comprendre la mécanique de l'apprentissage. Et donc, avec ce livre, vous comprendrez pourquoi apprendre, faire 2 heures d'anglais par semaine, c'est une aberration. Et que c'est pas possible en fait d'apprendre une langue de cette manière, et en quoi justement l'effet cumulé, donc le fait de mettre en place des petites actions au quotidien, même si ce n'est que 10-15 minutes tous les jours, ça peut radicalement changer votre vie. Et pour moi, c'est vraiment un, vous voyez, c'est un petit livre, et ça vous donne vraiment les clés du succès, pas seulement dans les langues, mais pour atteindre n'importe quel objectif que vous voulez atteindre, comme perdre du poids, changer de job, voyager, etc., réaliser un projet sans y passer 4 heures d'un coup. Et encore une fois, bref, le bénéfice, c'est que ce livre, il est aussi en anglais, donc vous pouvez aussi pratiquer votre anglais. Alors, avant de passer au troisième livre, je voulais vous demander ce que vous pensez de ce format où je vous présente des livres qui, moi, m'ont aidé. Pour vous, dites-moi juste en commentaire si ça vous aide, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Ça m'aiderait énormément pour vous préparer les prochaines vidéos. Alors, le troisième livre, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler, évidemment, de ce livre. Pour ceux qui me connaissent déjà, parler anglais en 6 mois,
pas en 10 ans. La méthode anti-scolaire, donc c'est mon livre, donc je suis l'auteur Lauriane Legrand. Et dans ce livre, ce qu'on va voir, en fait, c'est comment apprendre à apprendre l'anglais. C'est applicable aussi pour toutes les langues. Je l'ai dédié à l'anglais, mais tout ce que vous trouverez dans ce livre, vous pourrez l'appliquer pour toutes les langues. De la même manière, comme le premier livre, ce n'est pas un cours d'anglais. Donc si vous cherchez un cours d'anglais avec des mots de vocabulaire, ce livre ne sera pas pour vous. Il vous expliquera pourquoi, en fait, aujourd'hui, vous êtes bloqué à l'oral, pourquoi vous connaissez ce fameux blocage de mâchoire, pourquoi vous n'osez pas parler, pourquoi les mots restent bloqués à l'intérieur. Vous verrez comment parler anglais, eh bien, en 6 mois. Hors méthode traditionnelle, et comment apprendre plusieurs langues, parce que dans le dernier chapitre, je parle de comment apprendre plusieurs langues en même temps et comment en apprendre plusieurs. Si vous aimez les blagues nulles, ce livre sera pour vous. Je l'ai écrit de manière à ce que vous puissiez sourire au moins à chaque page, parce que moi j'aime bien rigoler, et donc du coup je voulais vous partager ça dans ce livre. C'est un livre qui est vraiment hyper synthétique, qui va droit au but. En 2 soirées, il est lu et vous aurez compris tous les mécanismes et vous n'aurez plus qu'à appliquer. Et du coup, je vous rappelle qu'en complément de ce livre, j'ai créé une masterclass de 25 minutes que vous trouverez en description, dans laquelle j'explique comment je suis passée de nul en anglais à polyglotte et comment justement débloquer ce fameux blocage de mâchoire. Donc le 4e livre dont je voulais vous parler, que j'adore, c'est Mindset, donc c'est la psychologie du succès de Carol Dweck. En fait, vous pouvez appliquer tous les conseils des livres précédents, mais si vous avez un mindset limitant, comme elle dit dans son livre, comme elle l'explique, vous n'allez pas pouvoir réussir, vous n'allez pas progresser. En fait, elle explique la différence entre un mindset limitant et un mindset de croissance et comment naviguer de l'un à l'autre selon les différentes situations. Forcément, on va tous se dire, ça a été mon cas aussi quand j'ai commencé à lire, à me dire non mais c'est bon, je suis ouverte d'esprit, je suis tout le temps en train d'essayer de lire, de me former, d'apprendre des autres, d'apprendre sur moi, etc. Donc je me suis dit, je suis dans la 2e catégorie. Forcément, en étant dans le déni du bah non, des fois j'ai un état d'esprit de limitant, et c'est ce que j'ai découvert dans ce livre, à me dire ah non mais attends, on va sortir de ce déni, remettre un peu d'humilité dans cette situation. Et oui, effectivement, il y a des moments où j'ai des états d'esprit de limitant, et en fait ça m'a vraiment aidé à voir les recoins que je voulais pas voir, et ça m'a aidé à débloquer encore une fois une facette de l'apprentissage sur moi qui me permet de mieux apprendre aussi sur les autres et sur les différentes situations. Et pour moi, l'apprentissage des langues, ça passe aussi par ça, par la connaissance de soi, et ça permet d'ouvrir les yeux sur cet auto-sabotage. Et vous savez, quand j'ai des élèves au téléphone, des élèves du marathon anglais, j'entends dans leur discours dès les premières secondes la manière dont ils s'expriment. Je sais pertinemment pourquoi ils vont pas progresser ou moins progresser que les autres, parce qu'ils sont exactement dans le schéma. Donc si vous êtes élève du marathon d'anglais et tous les autres, bien sûr, lisez ce livre, ça va vraiment vous faire péter des blocages et faire sauter cette auto-sabotage interne. Donc il est en anglais, donc encore une fois, vous pouvez pratiquer votre anglais en le lisant. Alors le 5e livre, celui-là c'est pareil, je les adore tous en vrai. Une mémoire extraordinaire de Jean-Yves Ponce. Alors pour moi, ne pas connaître sa mémoire quand on apprend une langue, c'est comme passer l'aspirateur sans brancher la prise. Ça ne sert à rien, ça prend de l'énergie et ça donne pas de résultat en fait. On perd du temps, de l'énergie. Donc ce que vous allez trouver dans ce guide, c'est un guide complet pour savoir comment bien mémoriser, comment entraîner sa mémoire. Parce qu'aujourd'hui, si vous pensez ne pas avoir de mémoire, eh bien c'est totalement faux. C'est juste un problème d'entraînement. C'est comme des muscles. La mémorisation, il faut la faire fonctionner. Donc tout expliqué dans ce livre. Et il y a plein de techniques pour mémoriser facilement. Vous allez voir, ça va vous tourner le cerveau. D'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote d'une élève qui était justement dans le marathon anglais. Donc c'est Nicole, à l'époque elle avait 61 ans. Et elle me disait, bah tu sais, à mon âge, Lauriane, bon, je me lance dans la formation, mais j'ai pas trop de mémoire, je vais être plus longue que les autres, etc. Je lui dis, Nicole, il faut que tu lises ce livre dès le premier mois. J'en parle évidemment dans la formation, il y a tout un module dédié, mais je lui dis, lis ce livre dès maintenant. Et en un mois, elle m'a dit, mais je viens de découvrir à 61 ans que j'avais de la mémoire, donc merci. Donc lisez ce livre, ça va sans doute vous débloquer du pourquoi vous stagnez depuis des années en anglais ou dans les autres langues d'ailleurs. Et enfin, le dernier livre, alors là c'est pareil, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans d'autres vidéos, The One Thing de Gary Keller. Alors pourquoi? Parce que j'ai choisi ce livre parce qu'en fait l'ennemi numéro 1 quand on se lance dans un projet, que ça peut être l'apprentissage d'une langue ou d'autres choses, c'est de s'éparpiller, de manquer de focus. Et en fait ce livre, il va vous montrer comment mettre en place tout un environnement pour être certain d'atteindre votre objectif, réaliser votre rêve, même si ça vous paraît inatteignable. En fait ça va être de vous focus sur... C'est extrêmement simple, mais comme toujours, c'est des choses qu'on n'applique pas forcément. Et en fait c'est en appliquant ce livre que j'ai pu apprendre 4 nouvelles langues en moins de 4 ans, que j'ai pu écrire mon livre en un mois sans l'intelligence artificielle, je l'ai vraiment rédigé moi-même, et ou encore comment j'ai pu préparer un trail de 48 km
sans sacrifier mes autres moments de loisirs ou moments de qualité avec ma famille. Ça m'a vraiment permis de changer de perspective sur la réussite et comment permettre d'avoir des résultats extraordinaires avec des petites actions du quotidien en peu de temps et ce dans n'importe quel projet. Donc pour moi, il n'y a pas de magie dans tous les projets extraordinaires qu'on peut accomplir. C'est juste une question de méthode, de bon sens et de connaissance. Et toute cette connaissance, elle se trouve dans ces livres. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager si ça a été le cas, de me mettre en commentaire le livre que vous préférez ou que vous allez lire en premier, ceux que vous connaissez peut-être déjà. Et n'oubliez pas de télécharger la masterclass offerte en description pour savoir comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Et je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao !